Salut les filles, aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo qui m'a été demandée par une de mes abonnées. Donc elle voulait que je montre les soins que j'apporte à mes ongles. Donc je fais pas énormément de soins, mais j'en fais quand même. Donc ce que je fais souvent, enfin voire tout le temps, c'est surtout appliquer ma base avant de mettre chaque vernis. Donc ça permet de protéger l'ongle. Donc moi j'ai celle de chez Kiko, la 3 en 1. Donc elle permet de faire en même temps base et en même temps top coat et elle durcit un peu. Ensuite j'utilise un polissoir à 4 faces. Donc pour tout vous avouer, celui-là je l'ai acheté chez Claire's. Et c'est vraiment un gadget en fait, il ne marche pas du tout. Donc il y a une face pour limer. Donc cette face-là ça va, ça lime à peu près. Une face pour lisser les contours. Une face pour lisser l'ongle. Et la quatrième qui est pour polir. Donc ça coûte pas très cher, je l'ai payé 3€, mais bon, je préférerais mettre plus cher la prochaine fois et que ce soit plus efficace. Ensuite, ce que je fais très rarement, c'est tremper mes doigts dans du jus de citron. Donc en fait, ça permet de les rendre beaucoup plus blancs. Je le fais pas souvent, pourquoi? Parce que je mets tout le temps du vernis, donc j'ai pas besoin de les rendre blancs. Par contre, des fois, quand par exemple, tous les 2 mois, j'ai envie de pas mettre de vernis pendant quelques jours, je vais tremper mes doigts dans du jus, comme ça ils vont être beaucoup plus beaux au naturel. Donc je trempe chaque doigt environ 2 minutes. Ce que je fais régulièrement aussi, c'est appliquer une crème pour les mains que j'applique surtout sur mes doigts parce que le dissolvant sèche beaucoup le contour de mes ongles. Donc j'applique sur chaque bout de doigt puis je masse en étalant la crème. Et enfin, ça c'est pareil, c'est quand je n'applique pas de vernis, je fais un petit peu une cure. Donc c'est-à-dire que je n'ai pas de vernis pendant, imaginons, 3-4 jours. Et donc je fais ce soin-là qui est une huile à cuticule. Et donc je l'applique tous les soirs, tout autour de mon ongle et sur mes cuticules, pour vraiment que ma peau soit beaucoup moins sèche et plus nourrie du coup. Voilà les filles, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !